de voir un château comme ça au milieu de l'eau. J'ai toujours été emballé par les sculptures, les pilastres, les encorbellements. Enfin, tout ça, ça a toujours été pour moi un lieu magnifique, quoi. Une décision a été prise de surélever le phare. Ça s'est fait entre 1787 et 1789. Ils ont remplacé par la deuxième partie de la construction, là, pour le porter à 67,50 m, alors qu'au départ, il ne faisait que 37 mètres. C'est magnifique. C'est très, très beau. Vraiment, c'est naturel et ouais, c'est un chouette lieu. Je suis avec ma grand-mère. Je suis pour les vacances. On est venu visiter le phare. Quand je suis arrivée, je me suis dit bah c'est grand et je savais pas si je pouvais aller tout en haut. Mais j'avais envie d'aller tout en haut parce que j'avais envie d'avoir des frissons quand je suis en haut. C'est un phare qui est un patrimoine essentiel du département de la Gironde et sans doute un des plus beaux. Pour nous, ce classement est un classement important parce qu'il permet d'apporter cette reconnaissance à la fois spécifique et universelle et également de garantir que demain, beaucoup de personnes puissent venir découvrir ce phare. En mars, notre dossier sera clôturé, donc va être examiné par un panel d'experts internationaux et ensuite nous aurons la réponse entre fin juin et début juillet 2020.